Je m'appelle Mihai Bara. Je suis né ici, en Roumanie, à Brașov, le 8 mars 1961. C'est là que j'ai fait les premiers pas. C'est là que j'ai appris à vivre en paix avec toutes les autres communautés. Les Hongrois, les Allemands, les Juifs, installés ici depuis la nuit des temps. C'est ici où j'ai compris qu'on peut partager les mêmes valeurs, en tout respect, qu'on peut habiter la même terre, un bon voisin. Peu importe l'ethnie, la couleur, la religion de chacun d'entre nous. Ici, j'ai appris à me respecter en respectant et en acceptant les autres. Concept et style de vie appliqué plus tard aussi dans mon pays d'adoption, l'Andorre. Même si j'ai voyagé beaucoup, même si j'ai eu la chance de me laisser pénétrer par d'autres cultures, d'admirer les beautés de ce monde, de devenir un citoyen de la terre, je sais que je porte et que je porterai pour toujours la couleur et l'esprit de cette forteresse dans mes veines, dans mon âme. La volonté des gens de se protéger, de défendre leur acquis, de mettre leur famille à l'abri des dangers, de bâtir pour mieux vivre, ça m'a toujours impressionné. Toute cette muraille, les donjons, les tours, ne sont qu'une volonté et une promesse de paix. Finalement, nous sommes tous et chacun d'entre nous des forteresses soumises au siège des temps. Et je crois fortement que nous survivons en grande partie grâce à la foi. Le lycée d'art m'a donné la rigueur du travail et m'a fait comprendre la nécessité d'aller plus loin dans la recherche en soi-même pour établir mes repères artistiques et existentiels. Sous la baguette de nombreux professeurs d'exception, j'essayais de me construire en tant qu'homme et artiste en accordant une attention particulière à la fascination générée par les hypostases de la lumière. Nous ne sommes que des pièces dans un puzzle géant, des pions gouvernés par le destin. Cette existence énigmatique, flirtant avec le jour et la nuit, victime de l'érosion du temps, ce n'est qu'un infime éclat de lumière. Je crois que l'époque de la peinture reportage est révolue depuis longtemps et j'essaye, comme tant d'autres artistes, de transmettre des émotions, des pulsations intimes traduites en taches de couleurs, ordonnées et disposées par la logique de la composition
mais surtout par les sentiments, par les états d'âme. J'aimerais partager avec les autres mes inquiétudes, mes joies, mes doutes, une partie de mon labyrinthe intérieur pour mieux comprendre, pour avancer ensemble. À part le contact direct avec la matière, je cherche à établir un pont, une communication pour un meilleur dialogue spirituel. Le défi d'une exposition m'effraie et me motive en même temps. Il s'agit d'un mélange bizarre entre la satisfaction du travail accompli et la peur de ne pas être à la hauteur du moment. C'est dans cet esprit, donc, que je vous invite à découvrir mes œuvres, ma forteresse à moi.